Les voix festivalières, ce sont les voix des publics du Festival d'Avignon et de ceux qui les observent. Il y a les données statistiques, bien sûr, mais il y a la chair des spectateurs et le grain de leur voix. Vous vous apprêtez à les entendre, ces voix de festivaliers ordinaires et extraordinaires, par l'entremise de textes qu'ils ont écrits ou qui les décrivent. Ces textes sont des sociogrammes, des extraits de thèses, d'ouvrages, d'entretiens et de notes issus des cahiers d'observation des chercheurs présents sur le terrain du Festival d'Avignon depuis plus de 20 ans. Ils nous racontent comment des spectateurs prennent place et prennent leur place dans l'espace festivalier. Les événements relatés ici se sont donc vraiment déroulés et les personnes décrites ont toutes existé, même si elles semblent parfois avoir quelques ressemblances avec des personnages imaginaires. Aujourd'hui, Isabelle Gachet lit un sociogramme écrit en 2002 par Paul Veyne pour l'ouvrage « Avignon, le public réinventé » dirigé par Emmanuel Etis, l'anti-tout. Il porte un nom protestant, quelque chose comme Espérant Dieu, et il ne va jamais au festival, bien qu'il habite un village du Gard à 30 km d'Avignon. Il a vu seulement l'exposition Rodin, non sans déplorer la puérilité des photos de Fernand Michaud. Un festival, dit-il, est fait pour augmenter la quantité de plaisir que de l'existence, et le plaisir est un péché, mais ce n'est pas pour cela que je n'y vais pas, je suis un mauvais protestant. Il est porté à l'auto-dénigrement. Il y a trop de spectacles off qui ne sont que des mauvais numéros de cabaret. Il y a trop de tout. C'est comme les 200 romans qui paraissent à chaque automne, la vie culturelle pollue la culture. Et puis, il avoue. Je n'ai pas le sens et donc pas le goût du théâtre. De même, enfant, au lycée, après la Libération, je me forçais à écouter du Bach et je méprisais mes camarades qui se passionnaient pour le jazz. En réalité, leur goût était peut-être mauvais, mais ils avaient le sens de la musique que je n'ai pas. Et puis, tout le monde va au festival, c'est un must, un conformisme. Or, les majorités ont toujours tort, et on n'a raison que contre elles. Je travaille au CNRS, et si une poignée d'hommes cherchent la vérité, c'est donc que ces autres ne l'ont pas. Au milieu de cette foule, j'ai des crises d'agoraphobie. Il y a 6 ans, aux carrières des Taillades, il m'a fallu quitter précipitamment la tempête de Shakespeare. J'ai tout fait parmi tant d'humains. Oui, je vais au concert, j'écoute Brendel jouer Beethoven à Montpellier, mais la musique de chambre, c'est comme une religion. Et le public n'y est pas dépenaillé. La célèbre convivialité des festivals n'est qu'une douce violence. Tous ces festivaliers en tenue de festival qui affichent une mine de fête, comment peut-on avoir le cœur en fête à jour, semaine et heure fixe? Ils sont insincères comme la liturgie catholique. Et ces centaines de spectacles dont 2 ou 3 auront du succès, chrétiennement et politiquement, cela me serre le cœur, les comédiens vont se retrouver au chômage. Mais un pharisien en moi les plaint parce que la vie de bohème me fait peur, par conséquent je la blâme. Je ne suis qu'un bourgeois, je devrais m'appeler Profitant Dieu. Le métier de comédien me semble immoral comme au temps de Molière.